Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un outil musical que j'ai acheté il y a très longtemps. J'aimerais faire une petite série comme ça sur deux produits de chez Roland que j'ai acheté il y a des années. Le premier, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le GR1. Alors le GR1, je te montre quelques images maintenant, c'est une guitare synthé qui est très ancien, que j'ai dû acheter, je pense, son année de sortie, en tout cas. À une époque où j'ai commencé à créer mon home studio. Je me rappelle, j'habitais chez ma grand-mère à l'époque, t'imagines. Et finalement, je savais jouer que de la guitare. J'avais vraiment aucune notion du piano ou du clavier à l'époque. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cet outil-là pour pouvoir composer, créer mes premières maquettes, mes premiers projets avec cette guitare synthétiseur. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est vraiment un pédalier, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour les guitaristes. J'ai un bouton qui est cassé ici. Et si tu as des contrôles, quand je dis que c'est pensé pour les guitaristes, qui sont avec des potards, tu vas pouvoir travailler sur les effets, sur tout un tas de paramètres. Et ici, je ne sais pas si tu vois bien ça à la caméra, je ne suis pas sûr, tu as la possibilité de travailler sur... les deux sons en même temps, premier son, deuxième son, parce qu'en fait pour chaque patch tu vas avoir la possibilité de choisir un son ou un autre en fonction des sons qui sont intégrés dedans, hein, des presets, voire mélanger comme ça deux sons et créer ton son en mélangeant plusieurs sons. Le premier patch ici, c'est un patch que j'ai créé donc il y a à l'époque où je l'ai eu, hein. Donc là, tu vois, ici, j'ai un seul son, le son numéro 1, qui est le son du GR300, qui était le premier guitare synthé de chez Roland, donc celui qu'utilisait Pat Metheny, dans mon souvenir, par exemple. Donc là, tu vas pouvoir vraiment... Donc, premier son, je mets sur... Je pourrais jouer sur... Le filtre. L'attaque. Voilà, et à l'intérieur, il y a tout un tas de réglages que tu peux faire, hein. Tu peux évidemment suivre soit Reverb Chorus, et dans Reverb, en fait, tu as aussi la possibilité de, dans la Reverb, tu as aussi des delays, par exemple. Hein. Bon, voilà, il y a tout un tas de trucs que tu peux faire. Bon, je m'étais fait des patchs, hein, à l'époque. Hein. Les cordes. Tu as une espèce de petit enregistreur intégré, tu vas pouvoir enregistrer des petites boucles, des petites démos, des petites choses purement avec 4 pistes, quoi. Tu as 4 pistes d'instruments que tu vas pouvoir choisir et enregistrer tes petites play-along ou je ne sais quoi. Quand tu appuies sur un bouton du GR1, du GK2, en fait, c'est vraiment le plus vieux système de Roland que j'ai, tu vas pouvoir tenir une note en laissant appuyer ici. Ajouter une octave ici. Là, tu vas lancer la lecture de la séquence qui est ici. Alors, du pitch shift que tu peux régler toi-même, et ici tu as un accordeur. C'est du matos qui est vraiment ancien, mais qui malgré tout est très utilisable aujourd'hui. Tu vois, mais j'avais vraiment laissé au placard. Et voilà, je suis en train de me dire que je pourrais vraiment l'utiliser, pas obligatoirement pour les sons qui sont très typés années 80 quand même, pour certains, mais pour justement travailler et faire des choses que je vais jouer à la guitare, que je jouerais pas au clavier, pas simplement parce que je vais pas être capable de jouer au clavier certaines choses, c'est une histoire de capacité, c'est une histoire que le jouer une mélodie à la guitare, c'est pas la même chose que jouer une mélodie au clavier, etc. C'est vraiment quelque chose de très différent.
années 80-90, j'ai vraiment été de ces guitaristes qui étaient très très attirés par les nouvelles technologies pour guitaristes. J'ai jamais été un conservateur en tant que guitariste, mais alors pas du tout, pas du tout. Ça fait des... je sais pas, ça va faire 20 ans que j'utilise plus d'ampli par exemple. Ce qui est à cause de l'objet, enfin du matos que je te montrerai la prochaine fois. Voilà, si ça t'intéresse ce genre de truc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire comme ça.